Salut à tous et à toutes pour ce témoignage que nous faisons ensemble aujourd'hui. Assalamu alaikum Fatou, j'espère que tu vas bien. Voilà donc Fatou qui est donc une ancienne musulmane qui a choisi dans sa vie de suivre Christ. Alors Fatou, tu faisais les salats, les ablutions. Voilà, tu pratiquais les cinq piliers de l'islam, Fatou. Salam alaikum frère. Moi, je me nomme Gabi Fatou. J'étais musulmane. De même, mon père et ma mère, elle est musulmane. Et je suis là pour un petit témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et de ce que Dieu, par son amour infini, m'a amené dans sa maison. Eh bien, Starlaf, vraiment, on t'écoute, Fatou, on t'écoute. Ben, pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que j'étais là ignorante, parce que quand nous sommes musulmanes, tu sais, dès le bas âge, on te dit, voici le vrai Dieu, il faut adorer, il faut faire ceci. Donc du coup, tu nais dans ça, tu ne peux pas changer, tu ne connais même pas la vérité. Donc du coup, ils t'emmènent dans leur rythme, puisque tu es ignorante et tu es sur les gâtes. Donc du coup, on pratiquait cette religion sans le savoir, sans le connaître. Et on faisait des choses vraiment que vous ne pouvez imaginer. Moi, je peux dire non, que la région musulmane, c'est beaucoup de haine. Il n'y a pas de véritable joie. C'est la cacheterie, c'est l'hypocrisie, vraiment plein de choses. Et j'avais une camarade, une amie, qui aimait tellement le Seigneur. Et quand elle venait chez nous, elle manifestait cette joie. Et moi, je voulais la suivre. Et du coup, elle m'a parlé de Jésus. Elle dit, c'est Jésus qui lui donne cette joie. Et je lui ai demandé de m'emmener chez Jésus. Et lorsque nous sommes arrivés à l'église, je m'étais caché. Et lorsque nous sommes arrivés à l'église, ça m'a beaucoup impressionné. Vraiment, je vous dis que non, ça m'a beaucoup impressionné. Et ça m'a donné encore la possibilité de vraiment choisir. Parce que je disais que le premier choix était vraiment horrible. Et que ça, là, je venais de croiser, je venais de connaître un vrai Dieu. Ok, Fatou. Donc, Fatou, tu as vraiment fait cette rencontre personnelle dans ton cœur. Et par rapport à tout ça, ta famille, comment a-t-elle réagi à cette annonce que tu as choisi de suivre donc Christ dans ta vie? Comment ils ont réagi? C'est pas facile, hein. Pour toute personne qui décide de choisir un chemin que un père n'a pas décidé ou une mère n'a pas décidé, ça devient plus compliqué. Donc j'étais obligée de sortir de là. Je suis allée au Sénégal pour encore réellement réallumer le feu qui était en moi. Parce que je vous assure que lorsque je suis allée à l'église, ils ont tellement prié pour moi. C'était comme une flamme qui était dans mon cœur. Et moi, cette flamme me disait que c'était lui le réel Dieu, que je m'étais trompée. Du coup, j'ai quitté ma famille. Je suis allée chez ma grande sœur qui devait m'élever. Chez ma grande sœur, je manifestais un peu l'amour du Seigneur et je lui parlais de Jésus. Et je vous assure que ma grande sœur a été touchée. Et c'est comme ça que j'ai mené ma vie chrétienne. Parce qu'il faut faire un choix. Lorsque tu choisis, rassure-toi que Dieu va te soutenir. Et je vous assure que personne ne vous décourage de votre foi, de ce que vous ressentez dans vos cœurs. Même quand on va vous dire autre chose, mais vous savez que vous avez reçu quelque chose de grand. Et cette chose-là vous emmène loin. Si vous devez même être blâmé, méprisé, c'est pas grave. Mais à cause de cela, c'est à cause de l'amour du Seigneur. Fatou, merci. Merci vraiment pour cette précision par rapport à ta famille. Tu encourages ceux qui sont dans l'islam et qui ont reçu l'appel du Créateur à venir à Jésus.
de vraiment venir quoi, et de pas regarder à la famille, de prendre son courage. Et voilà, en tout cas, selon ce que tu dis là, ça vaut la peine. Gloire au Créateur, vraiment. Mais voilà, donc pour que les auditeurs sachent vraiment que tu es sincère dans ce que tu dis, tu faisais bien donc tes 5 prières par jour, le salat, tu allais à la mosquée et tes parents pratiquaient l'islam. Et donc tu as vraiment été touché par la foi en Jésus-Christ. Comment ensuite ça s'est déroulé? Tu as été voir un pasteur pour lui demander le baptême. Par la suite, tu as pris ce courage-là en tant que musulman de quitter la religion de l'islam pour venir au Seigneur. C'est incroyable tout de même, vraiment, c'est faut avoir du cran. Est-ce que tu arrives à connaître ce Dieu-là? Je vous assure, tu vas utiliser tous les moyens pour t'en sortir, pour connaître. Tu veux le connaître véritablement. Parce que là, dans le cœur, ça boue. Quelque chose, la flamme s'allume. Et du coup, rien ne peut t'empêcher. Donc du coup, tu vas même te cacher. Je me suis caché, je suis allé jusqu'à chez ma soeur. C'est ce que je vous disais. Ma mère ne regardait plus. Je faisais toujours le semblant. Mais je me cachais pour aller à l'église. Et arrivé, je me suis baptisé. C'est là que je me suis baptisé. J'ai reçu mon baptême d'eau. Et je vous assure, quelque chose est descendu en moi. Et là, je me disais que je ne pouvais plus cacher cela. Même si je devais être blâmée. Et quand mon père est décédé, parce qu'il reste ma mère. Et ma mère, comme je suis la dernière de ma famille, de toute ma famille, je suis la dernière fille de ma mère et de mon père. Et du coup, mon père décédé. La seule chose d'abord, je vais dire donc, par rapport à la mosquée. Où tu t'en vas à la mosquée, tu es derrière parce que, effectivement, à la région musulmane, les femmes sont un peu négligées. On vous met derrière, vous n'avez pas de choses à faire. Lorsque tu as tes règles, tu ne pries pas. Après ça, il faut faire, on te fait une cérémonie avant de prier. Toutes ces choses, à moi, ça manque. Et lorsque je suis venu à Christ, on dit vous tous, vous êtes même. Vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Il n'y a plus de grand, il n'y a plus de propre, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de nègre, rien. Tout le monde est racheté par le sang de l'agneau. Frère, voici ma motivation. Je voyais que Jésus-Christ mettait toutes les personnes au même pied d'égalité. Il n'y a pas ni blanc, ni jaune, ni noir. Mais tout le monde a été racheté par le sang de l'agneau. Est-ce que vous savez? En Jésus-Christ, l'amour est véritable. On était à l'islam, mais on pratiquait les choses qui ne n'auraient pas Dieu. Est-ce que moi je pouvais imaginer que ça ne plaisait pas Dieu? J'étais dans les pratiques. On partait, on partait nous laver. On nous met des choses dans aux reins pour nous protéger. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas capable de nous protéger? Mais on cherchait encore la protection. Mais je vous assure, lorsque j'ai connu ce Jésus, on dit la protection vient de Jésus. Et je me dis, pourquoi aller me fatiguer avec ces choses-là? Alors qu'on dit, on adore un Dieu et nous sommes dans les pratiques qui ne nomment pas le nom de Dieu. C'est quand j'ai connu Jésus-Christ que j'ai su que ce que je faisais n'était pas bien, qu'il ne glorifiait pas le nom de Jésus. Frère, voici ma motivation. Où Christ met tout le monde au même pied d'égalité. Alléluia. Et tout, c'est vraiment une décision courageuse de ta part. Et vraiment, les auditeurs ont besoin d'entendre, ont besoin d'écouter que c'est possible maintenant pour eux aussi de venir au Seigneur au travers de ce Sauveur qu'on appelle Yeshua El Messie, donc Jésus-Christ. Et vraiment, il offre une possibilité à chaque personne. Comme tu l'as souligné, c'est vraiment important, quelle que soit l'origine, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de peau, vraiment, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, Fatou, on va, je pense, clôturer. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui sont dans l'islam maintenant? Qu'est-ce que tu Alléluia. Aimerais leur dire vraiment? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a aimés le premier, alors que nous étions ignorants.
Aujourd'hui, tu peux être ignorant, étant à l'islam, étant dans les autres religions qui n'honorent pas le Seigneur. Bien-aimé, l'occasion t'est donnée. Christ nous donne l'occasion toujours parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Donc, il nous donne l'occasion de venir à lui. Il a même dit, c'est lui le bon berger. Donc, il cherche ses enfants. Il dit, il attend le cri de ses enfants. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne connais pas le Seigneur encore en ce temps, toi qui ne connais pas réellement Jésus-Christ, bien-aimé, viens à Christ. Il n'y a lui seul qui peut donner la vie éternelle. Il n'y a lui seul qui peut donner la paix véritable, la joie véritable que tu n'as pas trouvée. Parce que moi, je n'avais pas la joie. Je n'avais pas cette paix-là. Je n'avais pas quelque chose qui bouillait en moi. Mais lorsque j'ai rencontré ce Jésus-là, il m'a fait quelque chose de bien. Il m'a donné la joie parfaite. Je peux rire aux éclats. Je n'ai pas honte. Je suis libre. Je me sens libre, bien-aimé. En ce moment, tu es enchaîné. En ce moment, tu es ignorant. Même tu ignores d'autres péchés même que tu trouves que ça glorifie le nom de Dieu. Bien-aimé, l'occasion t'est donnée. Christ est mort pour toi. Christ t'aime. Christ veut que tout le monde soit sauvé. Et je t'invite à connaître ce Jésus-là. Il peut te donner la vie éternelle. Il n'y a pas possible qu'une personne puisse mourir et on va prier. C'est lorsque tu es vivant que tu dois accepter le Seigneur. Et quand tu meurs, tu iras au paradis. Sinon, si tu fais des choses qui ne n'ont pas Dieu et que tu meurs, tu penses que ils vont prier pour toi, tu vas regagner le paradis. Frère musulman, c'est faux. Même ils n'ont qu'à beau prier, tu ne vas pas rejoindre le paradis. Donc je t'invite, dès que tu es vivant, en ce moment où tu es vivant, où tu as le souffle de vie, accepte le Seigneur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque tu vas accepter le Seigneur, ta famille va te suivre. Ils sont obligés parce que tu as eu quelque chose de véritable. Il y a quelque chose qui boue en toi. Et tu vas toujours avoir l'occasion d'intercéder pour eux, afin que leur vie soit transformée. Moi, je vous le dis, ma famille est transformée. Il y a seulement ma mère qui est encore musulmane. Sinon que ma famille, mes frères et sœurs, accepté de Jésus-Christ. Mais ma mère, depuis lors, je lui parle de Jésus. Mais je ne suis pas fatiguée de lui parler de Jésus. Je prierai pour elle, afin qu'elle puisse connaître la vérité. Alléluia. Bien-aimés, venons à Christ. Jésus nous aime, tel que nous sommes. Si tu étais voleur, si tu étais criminel, si tu étais prostituée, si tu étais un mystique, Christ nous aime. Venez seulement viens confesser tes péchés. Lui, il est digne de te le pardonner. Et il va te renouveler dans toutes choses. Il va te donner la joie que tu cherchais. Il va te donner l'amour véritable, l'amour du prochain. Bien, Fatou, merci pour ton témoignage. Vraiment, on voit véritablement qu'il y a une révélation, qu'il y a une rencontre, qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Et que vraiment le Seigneur t'a convaincu et que par ta propre conviction personnelle, tu as choisi vraiment de quitter l'islam pour suivre Christ. Et ça, c'est vraiment incroyable, tout simplement. Alors, nous avons une deuxième personne ici avec nous. Voilà, nous avons Abdel Walid. Donc, Assalam alaikum, Abdel. J'espère que tu vas bien. Alors voilà, Abdel, il est donc à Fréjus. Donc, Abdel, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu quittes subitement comme ça l'islam et que tu viennes à Yesu al-Messie, donc à Christ? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est produit dans ton cœur? Comment ça s'est passé? Explique aux auditeurs vraiment comment Bonjour ça s'est déroulé. Bonjour à tous, en fait, moi c'est Abdel Walid, exactement. Je suis un ancien musulman, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à venir à Jésus-Christ? C'est le Christ Jésus qui m'a attiré vers lui, tout simplement. J'étais en recherche de vérité. J'allais à la mosquée 5 fois par jour et subitement, pendant un petit moment, je ressentais un vide en moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'étais en train de lire le Coran dans mon salon.
Ça faisait un an et demi que j'étais musulman. Et je pose le Coran dans mon salon. Je vais dans ma chambre et je vois une apparition démoniaque qui vient vers moi et qui rentre en moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé tout simplement à me dire tout simplement pourquoi, si Dieu est la vérité, si Dieu est avec moi, pourquoi il arrive des choses comme ça. Et donc du coup, automatiquement, je me suis dit, si Dieu est avec moi, il ne peut pas m'arriver des choses comme ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec un imam. J'ai vu mes amis musulmans et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que après avoir vu l'imam et mes amis musulmans qui étaient à la mosquée, 2-3 jours après, j'ai Dieu, le Dieu de l'évangile, qui s'est manifesté à moi et qui m'a dit: je suis le Dieu de l'évangile, l'islam c'est Satan. Voilà ce qu'il m'a dit vraiment dans mon cœur. Il m'a parlé, il m'a visité. On nous dit la Bible que Dieu parle dans le cœur et tout ce qui vient du cœur sort de la bouche. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, Dieu m'a parlé dans mon cœur et c'était comme un disque qui tournait et qui m'a attiré vers lui en fait. Donc j'ai lu l'évangile, je suis arrivé à l'évangile et j'ai donné ma vie à Christ en lisant l'évangile de Jean. Ouais, c'est vraiment puissant ce que tu racontes là, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Donc on voit que vraiment le Seigneur t'a vraiment sorti de l'islam d'une manière puissante. Tu as été touché, tu as vu que ça n'allait pas, et les mêmes, donc il a fait les invocations, tout ça, et là, et voilà, mais bon, quelque chose s'est passé qui n'allait pas, et tu voyais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, donc tu t'es tourné vers le Seigneur, et là, tu as eu la réponse, et c'est extraordinaire, vraiment. Donc, les auditeurs et les auditrices qui écouteraient, qui seraient musulmans, donc, Slima, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, vraiment de particulier maintenant pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre cette décision sage, parce qu'ils ont leur famille, ils ont leurs habitudes, ils font les sélètes, ils font le ramadan, tout ça, ils font voilà tout ce qu'un musulman doit faire. Donc pourquoi maintenant ils devraient venir au Seigneur? Moi je les encouragerais tout simplement à aller de l'avant, tout simplement, ne pas avoir honte de leur foi. De croire en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dit dans 114,6 qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et de penser à leur salut. La famille c'est très bien, les amis c'est très bien, mais c'est Jésus-Christ qu'on doit se concentrer, parce que c'est lui notre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ lui-même. Et même la Bible le dit même que vous serez rejetés par vos parents à cause de votre foi. Que tous ceux qui ont accepté Christ, malheureusement, seront persécutés par leur famille, par leurs proches. Mais restons comme on est, tout simplement, et annonçons l'évangile et soyons fiers de notre identité en Christ, tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire. C'est vraiment, vraiment très très fort hein, que tu nous parles comme ça. On aimerait aussi savoir, parce que bon, c'est normal, est-ce que tu faisais les cinq prières par jour, les salettes, les ablutions, enfin tout ce que doit faire un musulman, quoi. Tu faisais les cinq prières par jour, bien sûr. Je faisais les ablutions, je lisais le Coran, j'étais assidu à l'islam et j'étais vraiment en recherche de Dieu, vraiment de tout mon cœur, et Dieu m'a guidé dans le bon chemin. Comme je disais, c'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix que nous sommes sauvés. En tout cas, j'étais quelqu'un d'assez intègre, quelqu'un d'assez droit, et qui aimait vraiment le Seigneur de tout son cœur et qui était vraiment en recherche de vérité. Voilà. C'est une extraordinaire révélation que tu as reçue, vraiment, c'est très beau, j'ai pas de mots, hein. c'est vraiment magnifique. Et donc, tu aimerais ajouter quoi? Peut-être un dernier mot pour encourager les gens qui sont dans l'islam? Vraiment leur dire quelque chose, peut-être une dernière chose, parce que vraiment tu viens de là et tu as une expérience par rapport à ça, par rapport à ton passé, et vraiment c'est magnifique quoi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Cherchez Dieu de tout votre cœur, frères et sœurs, et Dieu viendra à vous, et il a dit: celui qui me cherche me trouvera s'il me cherche de tout son cœur. Donc cherchez Dieu de tout votre cœur plutôt, et il se manifestera à vous, et je n'ai aucun doute. Voilà. En tout cas, je vous souhaite paix et bénédiction sur vous. Soyez bénis. Bien,
Merci Walid pour ton intervention, ton témoignage qui est très poignant, très touchant. On voit véritablement une rencontre avec le Seigneur et on invite chacun des musulmans qui écoutent ce message à venir à Yeshua el Messie, à Jésus-Christ, parce qu'il est le sauveur du monde et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. L'Injil dit dans Marc 16:16, celui qui croira en Yeshua el Messie, en Jésus-Christ, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. À bientôt.